Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que la fille n'a pas pu entrer. Quelle fille? La tueuse, celle qui poursuit l'élu. Elle nous a suivis? Tu n'avais pas remarqué? J'étais occupé à réfléchir. Ne baisse jamais ta garde, jamais, si tu veux survivre. Oui, bien sûr, tu es si parfait, jamais tu ne te planterais. Je commets aussi des erreurs, j'en ai fait une terrible. J'ai cru en toi. Quoi? Rien, je n'aurais pas dû dire ça, pardonne-moi. C'est peut-être bien ça finalement. Te pardonner? Quoi? Je ne te comprends pas parfois. Ok, un petit donjon. Bonne soirée, Vixen. Ouais, elles vont être chiantes à taper celle-ci. Attends. Après le RPG old school qui m'a vraiment marqué beaucoup plus, c'est Secret of Evermore. Il est tellement bien ce jeu. Super Metroid RPG ou pas RPG? Non. Varek, c'est quoi ça? Bon pour les cheveux d'hiver. Ok. Je sais pas dans quoi le classer, dans un Metroid-like. En fait, il a créé un genre. Et l'autre genre qui en est très proche, c'est les Metroidvania. Le mix entre Metroid et Castlevania. Genre Hollow Knight, je crois. Wow. Putain, mais il craint toutes ses PMU, hein. Il a déjà éclaté la moitié de sa barre. Non. Kono zo ni mo natte iru Spiritua wa sekai wo kyousai shitan da yo na. Sou da yo. Spiritua sama no okage de sekai ni mana ga michite hitobito ga sukuwarete. Spiritua sama wa tenkai he to michibikareta no. なんでその時救われた世界にディザイアンがまた現れたりマナが減少してみんな苦労するようになったんだ救いの塔が消えてしまったからその恩恵を受けられなくなったって教わったけどロイド珍しく勉強かしらそんなつもりはないんだけどただ気になってさ塔なんだから誰かが作ったものだろうしってことは誰かが何かしてるのかなとか思っただけでレミエル様のような天使の皆さんがマナを与えてくれてるのかななるほど興味深い考え方ね今までは単に救いの塔を救済の象徴とのみ受け止めていたけれど我々ではたどり着けぬ答えではないのか結局救済を完遂せねば導き出せぬ答えだコレットが天使になったら救いの塔にも行くのかなだったら、その時にコレットに聞いた方が早いかもな。コレットの土産話に期待するとするか。そうだね。Ouais, Yudon Chronicle, c'est un petit peu, enfin Yudon Chronicle Rising, c'est un petit peu un Metroidvania effectivement. Tu le trouves bien du coup ce Tales of? Oui, carrément, carrément bien. Break!
Ah, je crois qu'il faut que ça attaque un peu plus au corps à corps là, je crois. Secret of Mana Forever. Bah, j'aime bien Secret of Mana et j'aime bien Secret of Evermore aussi. Ils sont tellement différents et à la fois si proches. Si je me souviens bien, avec les attaques à l'unisson, si tu combines des attaques qui vont ensemble, ça lance une attaque spéciale supplémentaire. Oui, apparemment ça... Enfin, il y a des combos à débloquer. Et après, ça doit faire une espèce de liste, je pense. Et faut que je trouve les bons, quoi. À mon avis, je vais taper le céphalopode. Là, je peux pas enchaîner. Sans doute parce que je dois pas avoir la bonne, en fait. Que j'ai fait que récemment, c'est Chrono Trigger, qui était bien incroyable, comme dit à l'époque. Ah ouais, il est génial, Chrono Trigger. Si, si, on l'a, la ref de Sword and Serpent, Nanatoru. Mais tu la sors trop souvent, celle-là. Il faudrait que je commence par exemple avec la lame du tigre. Après je fais photon. Parce que je pense que je peux pas utiliser deux fois le... Comment dire? Pas le même skill mais le même sens en fait. Genre si je fais une attaque lame de tigre, c'est le stick vers le haut. Là c'est vers la gauche ou droite. Là donc je pourrais faire par exemple la lame du vent. Mais après je finis avec un croc démoniaque. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je suis pas certain. Ils ont trop de portée pour que je les esquive. Un plateau de fruits de mer là. Un diadème, je crois que j'en ai déjà. Hein. De l'eau est sortie de l'anneau du sorcier. Le geyser de Toda est une source abondante d'eau, il a peut-être réagi à ça. Avec cette fonction, il est possible de verser de l'eau même de loin. Mais si tout ce que ça fait, si c'est tout ce que ça fait, c'est envoyer de l'eau, ça me paraît un peu faible. J'aime bien le menu équipement sobre et simple. Ouais, et très rapide. Pour ça, il est excellent. Il y avait deux étoiles, ça reprit là. Moi, l'attaque à l'unisson, je mettais 4 sorts, juste la touche simple, pas de direction, et ça envoyait les 4 attaques. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Effectivement, pour les autres, j'ai pas besoin de choisir. Mais pour Lloyd, il faut que je choisisse la première, je pense, intelligemment, parce que... Je pense
pense pas que je puisse lancer estocade supersonique et photon. En tout cas, j'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Ça, le photon, il veut pas se lancer, j'ai l'impression. Et je pense que c'est parce que j'ai fait ça. Donc il faudrait que je lance autre chose. Je vais essayer avec l'âme du tigre. On verra. J'avais un truc à changer. Sandwich. Citron. Ok. Pas mal. Par contre, il n'y a plus de citron. T'as Kratos dans ta team? Bah attends, j'ai des bons potes, hein. À lui tout seul, il fait tout le taf. Ah mais là, c'est quand il était jeune. Il avait encore des cheveux, regarde. J'aurais peut-être éclaté ces espèces de mages, là. Ah non! PV Force Def. Ça me plaît bien et en plus ça en donne plus. C'était ça aussi. Je pense. Bref, ça c'est bien. Il y a un truc que je capte pas là. Le F il était à fond et c'est retombé à 2. Parce que j'ai fait des trucs en particulier. Pourquoi E c'est à fond? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour que en gros la barre se remplisse et retombe à 0 ou ça reste comme ça? Ah, il y a deux passages. J'aime pas trop beaucoup ça. Le couvercle de la jarre est fermé. Un peu plus d'eau va la faire basculer. Ok. La torche est éteinte. Évidemment. D'accord, c'est pas pour tout de suite, semblerait-il. Oh, le coffre caché. Mais pas tout à fait. Ah oui, type F, type T. Ok, j'ai compris pourquoi. Non, pas plus que ça en fait. Là, il est où mon perso là? Ok. Je pense que c'est en passant niveau 20 avec Lloyd. Ah, effectivement. Ça doit être ça, Kendoza, bien vu. J'étais en train de me demander comment j'avais pu l'obtenir, genre c'était un nombre d'ennemis tapés, tout ça. Et non, ça doit être le niveau 20. Alors on va essayer peut-être là-dessus. Non, j'arrive pas à le lancer, ça m'énerve. Ah, c'est bon.
Ouais, si, faut que j'oriente quand même. Ok, je crois que j'ai capté du coup. Ça aurait mis le temps, mais bon. Janice a découvert une capacité EX combinée. Et vous a préparé un sandwich. Alors, bonus magique. Augmente parfois l'effet des sorts, mais c'est merveilleux ça. Ça fait pas grand chose sur hein. Mon prochain délire, c'est Farming Simulator. Tu préfères pas Flight Simulator? Ouais, le simulateur de vol. De toute façon, le piège, c'est coffre quand même. Ça, à mon avis, c'est pour les esquives. Ah non, l'étourdissement. Ah nice. Je pourrais débloquer la sauvegarde. J'arrive à le faire en complet, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, évidemment en mettant encore plus de coups, selon l'enchaînement qu'on fait. T'as une bonne carte graphique, parce que autant y aller à fond avec Flight Simulator et un nouveau DLC où j'ai vu. Tu fais Turbo et Strasbourg en vaisseau de Halo. Taper ce machin. Thank you.
Après, Flight Sim, c'est bien quand t'as tout l'attirail. Les manettes qui vont bien, quoi. C'est même pas les manettes, c'est le tableau de bord et compagnie, quoi. C'était Genis, je crois. Hein. Moins de défense, mais PVPM, c'est bien quand même. Ça monte 3 stats de toute façon. Allez-y. Je vois pas trop à quoi ça va me servir ce machin, mais bon. Merde. Je me trompais de bouton. Flight Simulator en VR, c'est ça l'immersion? Ouais. Même sans VR, c'est déjà pas très bien si t'as l'équipement qu'il faut, quoi. Un peu plus d'eau va le faire basculer, mais j'ai beau mettre de l'eau, ça marche pas. C'est pas ici que ça se situe du coup. Bon, ça on va le faire tomber histoire de traverser, je pense en fait. Ah non, je peux pas. J'avais pas vu ce machin. Par contre, derrière, il y a un truc. On dirait que c'est fait pour ici. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait clic. Hein. Red Dead Redemption 2 Online, c'est pour quand? Je l'ai pas ce jeu. Oui, c'est vrai, avec le DLC à l'eau, clairement ils s'en foutent de l'immersion. Ah, c'est pour faire plaisir aux gens. Je t'attends pour les chasser l'ours, la biche et le loup dans Tall Street. Prise. Ah. Épéiste magique. Bien. Il y a un DLC Star Wars sur Flight Sim. Ça, ça va être marrant, quoi. Ça, je vais pas avancer les machins. Non, ça partait pas. Alors, je vais activer le point de sauvegarde, c'est pas fait.
c'est fait. Alors... Peut-être que je le remette normal. Et que j'allume d'abord les machins. Parce que je crois que de base, mon anneau, c'est du feu, non? Ouais, c'est ça. Je ne pensais pas que ça brûlerait. À mon avis, la phrase est mal traduite. Hein. C'est plutôt je ne pense pas que ça va brûler. En tout cas, ça reste allumé. Ok. Très bien, je descends du coup. Alors il y a peut-être un truc à jouer avec les torches. Est-ce qu'il y en avait en bas les torches? Je crois pas, hein. C'était juste en haut. Hein. C'est de la saloperie ces étoiles de mer là. La moitié de mes coups je les mets à côté, pas au-dessus. Ouais, si j'avais pas mis ça, j'aurais pas pu passer en fait. Tout bêtement. Mais pousse-toi, toi! Ça rapporte pas beaucoup de points quand même. Hein. Par contre, le flouze, ça monte. Impeccable. Ah non, j'ai pas assez de points pour le lancer. De toute façon, il était mort. Alors, l'élu. Ça doit rapporter des trucs, ça. Bah oui. Ce serait dommage d'oublier à ce stade, hein. Ah,
Non, moi j'arrive pas à faire mieux que ça. Hein. C'est bizarre ce machin. Cet endroit est humide et sombre. Dépêchons-nous et sortons d'ici. Il faut d'abord briser le sceau. Je le sais. Je sens le mana monter. Tout comme avec le sceau du feu. Veuillez réorganiser le groupe en y incluant Colette. Ah mais non, on veut pas. En fait, ils sont sympas quand même. Ils nous permettent de régénérer avant. Évidemment. D'ailleurs, j'ai bien aimé tes doublages sur Eiyuden, je tenais à te le dire. Belle diction. Putain, moi je trouve que je bafouille pas mal. Hein. Des fois les textes sont longs donc ça n'améliore rien. Putain, y'en a du monde. Hop, je mets les cartes. J'ai pas pu lancer la garde. Dommage. Non. Pas elle. Ah, je vais crever. Je prends trop cher là. Clairement pas, c'était propre. Ah, les doublages. Ouais, j'essaie de faire des efforts, mais des fois c'est un peu dur. Merci en tout cas. Pourquoi j'ai viré Jenny s'il a feu?
parce qu'il crame tous les PM en rien de temps, il prend très cher après. Et que l'autre il soigne. Élu de la régénération, tu as bien agi en arrivant si loin. Maintenant, va prier à l'autel. Oui. Oh, déesse Martel, toi qui protèges et nourris la terre, accorde-moi ta force. Deuxième saut. Beau travail, Colette, l'élu. Le second sceau est désormais brisé. Merci, père. Accepte cette bénédiction du crucifix. Je t'accorde de nouveaux pouvoirs angéliques. Ah, père. Le suivant se trouve tout au nord, en un endroit tourné vers le bout du monde. Va prier sur l'autel de ce pays lointain. Père, ai-je fait quelque chose qui ait pu vous déplaire ? Ça n'a pas d'importance. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que tu te transformes en ange. Je t'attendrai au prochain saut, Paulette, ma fille. Fais vite et deviens un véritable ange. Ne me déçois pas. C'est quoi son problème? Il parle toujours comme s'il était le centre du monde. Excuse-toi auprès de Colette. C'est pas grave, père. Rémiel donne vraiment cette impression. Bien, on ne devrait pas se mettre en route pour l'autre saut. Même si c'est très confus comme d'habitude. Arrête de te plaindre, allons-y. Au nord, il a dit. Troisième, si on compte Lloyd. That's true. J'ai l'impression que soit c'est pas son père, soit il est pas si gentil que ça. Bref, ça sent la grosse carotte. Ah, une armée full. Oh, elle me rend fou. Je vais taper autre chose. C'est quoi ça? Ah, c'est le sort qu'elle vient de lancer. C'est bien ça, mais par contre, je peux pas le revisionner. C'est l'équivalent de la loupe. Évidemment, si on veut faire le 100%, bah il faut faire la loupe sur tous les ennemis. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas un truc à débloquer à utiliser la loupe sur chacun des ennemis. Peut-être un titre. Bon, je l'ai pas fait sur les boss, mais... Ah ouais, je sais que c'est avec Rain la loupe, mais j'utilise les objets que j'ai.
T'as fait Lloyd, ça sert à rien? Pourquoi ça sert à rien? Le but c'est juste de les analyser en fait. Enfin, il y a un titre juste en les analysant. Ah, il faut que ce soit Rain qui les analyse, donc c'est un titre pour elle. On va le faire un petit peu quand même. Dangereusement le skill. Lloyd, imano teki no jakuten wo nobenasai. Konna toki made benkyou ka yo. Je sens que les thunes elles vont partir mais à une vitesse dans le prochain village. Ça c'est sûr.